Alors bonjour à tous, cette fois-ci vraiment, après la petite phrase que j'ai prononcée juste avant. Merci d'être avec nous pour cette rencontre Livre sur la place. Merci, je sais bien que nous n'avons pas le choix, mais merci quand même à tous de jouer le jeu, de respecter bien sûr toutes les consignes, d'être masqués et de venir bien qu'il faille des masques. J'espère que, je pense que vous ne regretterez pas ce petit effort, et je pense que nous allons passer un moment intéressant, je ne sais pas agréable, mais en tout cas intéressant ensemble, puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et de m'entretenir avec, alors je vais faire dans l'ordre du demi-cercle que nous formons, Jean-René Van der Platzen. Vous êtes l'auteur du Métier de mourir, Le Métier de mourir, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Alors, on vous connaît bien sûr aussi parce que vous avez déjà vous avez publié un autre livre pour lequel vous avez eu le prix Interallié en 2017, La nostalgie de l'honneur. Mais vous êtes, on vous connaissait avant, sans doute, peut-être déjà, parce que vous êtes actuellement directeur délégué de la rédaction du Figaro Magazine. Évidemment, ça ne dit pas tout de vous, mais ça permet de vous situer dans un premier temps. À côté de vous, Gwenaëlle Robert, vous êtes l'auteur de Nevermind aux éditions Robert Laffont. Alors là, je suis un petit peu embêtée parce que je ne sais pas. Enfin, il y a certainement plein de choses intéressantes à savoir sur vous, mais rien de à ma connaissance d'aussi facile que pour Jean-René Van der Platzen. S'il fallait vous situer, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait. Non, je ne suis pas journaliste. Voilà. C'est une particularité. Qu'il faut noter. Donc, Gwenaëlle Robert, vous n'êtes pas journaliste et vous êtes écrivaine. Vous êtes l'auteur de Nevermind, donc aux éditions Robert Laffont. Et à vos côtés, à ma droite, donc, Alain Jaspard. Vous êtes l'auteur ici de Les Bleus étaient verts, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et alors, vous, pour vous situer aussi, vous êtes producteur, réalisateur et évidemment donc maintenant romancier. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des films que vous avez réalisés? Je pense que ça parlera à tout le monde. Moi, je faisais plutôt des séries de dessins animés, des grosses séries de dessins animés pour la télévision. Et la plus célèbre, c'est pas forcément la meilleure, c'était Tom Tom et Nana. Alors, je suppose que tout le monde ici a des enfants. Je pense que voilà. Ils se sont scotchés devant mon film à la télévision, Tom Tom et Nana. Et je suis désolé pour les mamans qui rentraient chez elles et qui voyaient leur fils devant la télévision et qui disaient « Qu'est-ce que tu regardes encore comme merde ?» Ben, c'était moi qui les faisais. Alors, donc je l'ai dit, hein, vous êtes l'auteur de Les Bleus étaient verts. Les trois romans que nous allons faire dialoguer ensemble aujourd'hui ont été réunis autour d'une thématique un petit peu longue, oserais-je dire, sur la formulation de la thématique. Et puis, de toute façon, c'est un point de départ dont nous allons... à partir duquel nous allons peut-être dériver. Le titre de cette rencontre, c'était « Quand la jeunesse et l'idéalisme conduisent les héros au bord de la mort ». Je crois que c'est quelque chose comme cela, si vous avez le programme. Emmène les personnages au bord de la mort, c'est ça. Aux frontières de la mort. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette reformulation plus précise de cette rencontre. Alors, donc, nous avons réuni vos livres autour de cette thématique. Ce sont des livres qui se passent tous à des époques extrêmement différentes. Et évidemment, donc, ils vont apporter quelque chose de très différent parce qu'ils se passent à des époques différentes, parce que vos styles sont différents également, parce que vos angles sont différents. Jean-René Van der Platzen, Le Métier de mourir se passe en 1985 dans le sud du Liban. D'ailleurs c'est écrit sur la quatrième de couverture, donc je ne dévoile rien, c'est une région et une époque que vous connaissez particulièrement bien. Oui, tout à fait, j'ai été amené à servir comme casque bleu au Liban dans cette année-là, en 1985, et peut-être que c'est d'ailleurs un des points communs de nos trois ouvrages, c'est que ça se passe en période de guerre, la guerre d'Algérie pour... Alain Jaspard, pour Gwenaëlle Robert, ça se passe pendant les guerres de l'Empire,
même s'il y a peut-être une accalmie à ce moment-là, mais enfin, il y a quand même des attentats ou des projets d'attentats. Et voilà, donc c'est, je pense que les périodes de guerre ont ce site particulier qu'elles révèlent les caractères des hommes beaucoup plus, de manière beaucoup plus intense que la vie tranquille de tous les jours. Voilà. Donc effectivement, j'ai servi ces années-là. C'était l'époque, pour vous donner le contexte de ce roman, où l'armée israélienne se retirait du Liban Sud, qu'elle avait occupé à partir de 1982. Et c'est là où ça peut-être correspond avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'elle se retirait, deux milices chiites, puisque le Liban Sud est occupé, enfin peuplé essentiellement de chiites, un petit peu de chrétiens, alors ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple en vérité. Deux milices se sont emparées de toutes les positions qu'occupaient les Israéliens jusque-là, et en particulier le Hezbollah. Et c'est à ce moment-là que le Hezbollah commence à inventer un certain type d'attentats, notamment les attentats à la voiture piégée, qui, hélas, connaîtront un triste avenir. Et voilà, donc j'étais là-bas à ce moment-là, donc j'ai imaginé une intrigue autour d'un checkpoint. Un checkpoint, c'est un endroit où on filtre le passage des voitures. Voilà. Alors, pardon d'avoir été si long. Voilà, c'est pas forcément une question que je pose spontanément, mais là, encore une fois, la quatrième de couverture nous y invite. Ce livre, nous dit-on, est inspiré par un personnage qui a vraiment existé. Est-ce que c'est un personnage que vous avez rencontré et qui a compté pour vous dans votre parcours personnel ? Alors, effectivement, c'est un personnage qui a réellement existé. L'un des buts de ce livre, c'est peut-être qu'un jour un historien ou des journalistes enquêtent sur cet homme dont je connais le nom, que je me garderai bien de divulguer. Nous, dans le roman, alors, le premier nom par lequel on le connaît, c'est Belfast. Voilà, donc c'est un pseudonyme qu'il a adopté, puisque c'est un homme qui s'est engagé dans la Légion étrangère après la Seconde Guerre mondiale, et il est rescapé d'un camp d'extermination, en l'occurrence celui de Treblinka, et au cours de cette terrible période, il a vu disparaître sous ses yeux toute sa famille. Voilà, donc cet homme a réellement existé. Il fut effectivement légionnaire en Indochine et il fut ensuite soldat dans l'armée israélienne. Alors comment je ne l'ai pas connu, hélas, parce que je pense que c'était un homme tout à fait hors des normes, un vrai héros au sens traditionnel, un héros positif en plus, ce qui est rare aujourd'hui. On parle toujours des héros négatifs, des anti-héros, etc. Là, c'est vraiment un héros positif. Et j'ai connu son existence par mon grand-père maternel, l'homme dont j'ai tracé le portrait dans mon précédent livre. Et c'est lui qui, au cours de la guerre d'Indochine, avait appris l'histoire totalement abracadabrante de cet homme. J'en dis pas plus pour ménager le suspense, oui. Mais c'est vraiment une histoire à dormir debout. Si je devais la caractériser, ça serait un petit peu, c'est l'histoire d'une vengeance, un petit peu à la manière du comte de Monte Cristo et de Montdantès. Alors j'ai presque envie de dire que, parce qu'on ne l'apprend pas tout de suite, hein, l'histoire dans le livre, bien même avant que l'on découvre cette histoire abracadabrante, sa vie est tout de même déjà en soi exceptionnelle. Même s'il n'y avait pas cette histoire qu'on ne dévoilera pas, c'est un parcours. Enfin, au début, quand on le rencontre, il s'appelle Belfast. Bon, ben, on se dit, c'est un soldat français, un haut gradé. Voilà. Bon, après, on comprend qu'il est polonais, en fait, qu'il est rescapé de Treblinka, il y a eu la Légion étrangère. Ensuite, alors, on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, au début, on ne comprend pas pourquoi, on comprend après. Mais il s'est engagé, il est resté dans les rangs de Tzahal, donc l'armée israélienne. Donc déjà là, au début, on ne comprend pas. Enfin, c'est un parcours sinueux, obscur. Est-ce que vous en avez rajouté, ou est-ce que vraiment c'est son parcours qui est en soi incroyable ? Non, j'ai même atténué son parcours. Il était si complexe que je l'ai un petit peu simplifié. Donc j'ai enlevé quelques épisodes. Mais oui, c'était volontaire d'entretenir un peu ce suspense. Il y a deux suspens dans le livre. La vérité sur le parcours de cet homme, qui se fait appeler Belfast. Donc Belfast parce que je voulais symboliser ainsi notre condition humaine, mais le versant lumineux, digne et noble de la condition humaine. Et il y a un autre suspense qui est, que va-t-il se passer pendant ces 3 jours,
trois jours comme les trois coups du destin, au cours desquels ce fameux Belfast se prend d'affection pour un jeune soldat français qui vient d'arriver dans cette armée. Et voilà, on devine ce checkpoint est assiégé, on ne sait pas trop où est l'ennemi, mais il va frapper. Donc il y a les deux suspens menés parallèlement. Pour revenir à la thématique de notre débat, est-ce que vous diriez que cet homme est un idéaliste ? Je dirais que c'est un homme... Quelqu'un m'a dit que c'était un homme d'une sérénité implacable. J'ai bien aimé cette définition. C'est un homme qui, pour survivre, et comment dire, pour se rétablir après ce qu'il a vécu, s'appuie sur un livre absolument formidable dont je vous recommande la lecture, qui est un des textes de sagesse de l'Ancien Testament, qui s'appelle l'Ecclésiaste. Pour survivre psychologiquement, ce Belfast a appris l'Ecclésiaste par cœur, et l'Ecclésiaste scande à peu près tous les moments de sa journée. Et donc oui, il y a un désir de sagesse, un désir d'apaisement intérieur, un désir de donner une philosophie à sa vie, en tout cas un sens à sa vie. Voilà. Gwenaëlle Robert, alors on est à une toute autre époque, hein. On est à l'époque de Napoléon, mais même pas encore de Napoléon, on est à l'époque de Bonaparte. Votre héros, votre personnage principal, Joseph de Limoëlan, c'est ça si je ne me trompe pas. On peut dire trois choses sans briser le suspense. Il fomente un attentat contre Bonaparte. Cet attentat échoue. Que Bonaparte ne meurt pas et son entourage non plus. En revanche, il y a des victimes autres. Est-ce que vous diriez que, juste pour faire le lien avec ce qui précède, lui est aussi ou est davantage ou est autrement un idéaliste ? Au moment de l'attentat, en 1800, c'est plutôt un désenchanté. C'est un personnage qui est né en 1768, c'est vraiment le contemporain de Chateaubriand, et qui a vu donc s'effondrer le monde dans lequel il a grandi. C'est un aristocrate de petite noblesse bretonne, et il a, au moment où il arrive à l'âge adulte, éclate la Révolution française, et il est en quelque sorte projeté dans un monde qui n'est évidemment pas celui dans lequel il a été, dans lequel il a grandi, avec la certitude que ce monde serait éternel, qui est le monde évidemment de l'Ancien Régime. Donc je pense qu'en 1800, il n'est plus vraiment un idéaliste, il est surtout un être qui est désenchanté, qui n'a plus rien à perdre. Il a participé au mouvement de la chouannerie contre la Révolution française. Il a perdu une partie de sa famille qui a été guillotinée. Il a à peu près tout perdu du monde qui était le sien. Et je crois que lorsqu'il organise cet attentat contre Bonaparte, je dirais que c'est plutôt une sorte de geste ultime, comme un baroud d'honneur, parce qu'en vérité, il ne croit plus à grand-chose, si ce n'est que Bonaparte est un usurpateur. Donc je pense que le terme idéaliste, disons que c'est un idéaliste déçu. Voilà, j'ai envie de dire, pour reprendre votre expression, désenchanté, effectivement, qui convient tout à fait aux personnes. Si on est désenchanté, c'est quand même qu'on a eu au moins à un moment des idéaux. Alors c'est un ex-idéaliste. Oui, c'est ça, parce que lorsqu'il participe à la chouannerie, il a l'idée de rétablir le roi sur le trône, ou au moins le dauphin, l'enfant du temple, Louis XVII. Et puis finalement, d'échec en échec, il finit par voir d'abord la République, et puis ensuite Bonaparte prendre le pouvoir, donc on est encore sous le consulat. Mais il a eu effectivement, dans ses premières années d'engagement, probablement un idéal qui a été un petit peu écorné par les différents échecs qu'il a subis. Et qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce personnage, et comment en avez-vous entendu parler d'ailleurs ? Plus que sur le personnage, c'est sur l'époque que j'avais envie d'écrire. C'est l'année 1800, c'est vraiment une année charnière. Je trouve toujours très intéressant d'un point de vue romanesque ces périodes un peu troubles qui sont... Alors là, on est entre deux siècles, on est entre deux régimes. Le consulat
personne ne le connaît vraiment bien, c'est simplement un régime intermédiaire, je dirais, entre la République et l'Empire. Tout s'est effondré, l'ancien monde n'est plus, le nouveau monde est promis, mais on ne le voit pas vraiment venir. Donc c'est cette époque de troubles qui favorise souvent des destinées romanesques, dans la mesure où elle est propice à de nombreux bouleversements. Et dans cette époque, je trouvais que Joseph de Limoélan, il incarnait tous les troubles et toutes les contradictions et tous les déchirements de cette génération qui est en quelque sorte écartelée entre deux rives, à qui on a promis un nouveau monde qui ne vient pas, qui a vu s'effondrer l'ancien monde. Et là, je dirais, comme le dit Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est un petit peu cette génération qui a quitté la rive ancienne et qui va aborder vers la rive nouvelle et qui, entre les deux, est pris dans le flux de l'histoire avec tous les bouleversements tragiques qu'elle représente. Donc c'était d'abord l'époque qui m'intéressait, et ensuite ce personnage qui incarne un peu les contradictions de l'époque, je l'ai découvert alors de façon absolument anecdotique et fortuite, comme souvent les rencontres importantes, parce qu'il y a à côté de chez moi une rue qui est à son nom. Et en cherchant un petit peu qui était le personnage qui s'appelait Clorivière, j'ai découvert qu'il était donc l'oncle de Limoélan, qui s'est lui-même fait appeler Clorivière ensuite. Et je connaissais évidemment l'histoire de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, mais j'ignorais absolument qu'un des trois auteurs de l'attentat avait échappé à la police de Fouché, ce qui est déjà une gageure dans la France de 1800. Et voilà, quand j'ai découvert sa destinée, je l'ai trouvée intéressante dans la mesure où elle était à la fois suffisamment... j'avais suffisamment de jalons pour pouvoir écrire une histoire, et en même temps, il y avait suffisamment de blanc, de marge, pour pouvoir faire un travail de fiction, puisque moi, je ne suis pas historienne. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses de lui, ou est-ce que vous avez dû broder de manière romanesque, évidemment? Alors, on sait très peu de choses de lui. Il a écrit ses mémoires, il a demandé à ce qu'elles soient brûlées à sa mort, et donc elles ont été brûlées, il n'en reste rien. Quand il est mort en Amérique, on connaissait uniquement de lui la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire quand il est arrivé en Amérique en 1804. Mais on ignorait absolument ce qu'il avait vécu en France. Donc on a un petit peu sa correspondance à laquelle j'ai eu accès, puisque les descendantes de sa famille ont conservé cette correspondance, et donc elles m'ont permis d'y accéder. C'est peut-être ce que j'ai eu de plus authentique. Pour le reste, eh bien, ce sont les rapports de police de Fouché, et puis aussi les minutes du procès des deux autres auteurs de l'attentat, Carbon et Saint-Régent, qui, eux, ont été arrêtés et guillotinés. Et le procès permet comme ça de reconstituer un petit peu l'attentat et dessine en creux le portrait de Limoélan. Mais c'est vrai que pour un roman, peut-être pour un historien, le manque d'informations, c'est une lacune, et pour un romancier, c'est une chance, parce que ça me laissait suffisamment de marge pour écrire une histoire et pour la faire passer au filtre de l'imagination et de la sensibilité. Alain Jaspard, je vous ai vu opiner en entendant les derniers propos de Gwenaëlle Robert. Alors, je ne sais pas si cette question des lacunes qui sont évidemment pour un historien difficiles et qui sont pain béni pour un romancier, peut-être pour un réalisateur ou un scénariste, vous parle. Est-ce que je me suis trompée en vous voyant opiner du chef? Non, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir très peu de renseignements quand on n'est pas historien pour écrire un roman, ça c'est très bien. Et puis j'aime bien la citation de Chateaubriand qui en effet trouvait que l'Ancien Régime était vraiment très sympathique finalement. Non, je me trompe? Il a écrit quelque chose là-dessus, non? Oui, c'est ça, hein, ouais, pardon. Oui, pardon. Alors oui, je vous posais la question pour introduire, pour arriver à votre propre livre « Les Bleus étaient verts ». Donc, il se passe en 62, enfin 61-62. Je suis obligée de vous poser aussi la question. D'après ce que j'ai lu, vous aussi, vous êtes parti faire votre service en Algérie à peu près dans ces années-là. Donc, est-ce que ce livre-là est nourri de vos propres souvenirs, de votre propre expérience, ou est-ce qu'on est ailleurs? Non, j'étais en Algérie exactement entre 61 et 62, et j'étais dans les chasseurs alpins exactement comme Jean-René. On a servi dans le même corps, comme disait Sacha Guitry en parlant des femmes. Mais
Mais donc, j'étais là-bas au moment où ça a basculé. C'est-à-dire que le 19 mars 1962, les ennemis d'avant, c'est-à-dire les Felagas, puisqu'on avait cessé la guerre, sont devenus les amis. Et les amis d'avant, c'est-à-dire les pieds noirs, les gens de l'OAS, les militaires de carrière, qui, les tenants de l'Algérie française, sont devenus à ce moment-là nos ennemis. Donc c'était un merdier pas possible. Et voilà, voilà l'histoire que j'ai trouvé intéressante de raconter. Donc j'y étais, mais il y a aussi une autre histoire, c'est-à-dire qui étaient les gens qui partaient là-bas. Et c'est ce qui m'intéressait. J'ai donc situé le départ de ces gens à Saint-Étienne, chez les mineurs. Alors moi, quand j'écris un livre, je parle toujours de ce que je connais. Et j'ai fait des films pour le charbonnage de France, je suis descendu dans le fond de la mine, etc. Je connais bien les mineurs. Et donc j'ai choisi un mineur de Saint-Étienne qui s'en va en Algérie, qui s'appelle Max, et qui, parce que descendre dans le fond de la mine, il ne veut pas. C'est une horreur. Il faut reconnaître que le fond de la mine, c'est une horreur. Les mineurs étaient très choyés. On disait, c'est grâce aux mineurs que les locomotives roulent, qu'on fait de l'électricité, qu'on se chauffe, etc. Et d'ailleurs, son père est vexé, choqué, scandalisé, que son grand-père, ses oncles, tout le monde est mineur dans la famille. Ils sont très fiers d'être mineurs. Ils meurent très tôt de silicose. C'est vraiment une vraie saloperie d'être mineur. Heureusement, il n'y en a plus. Et lui, plutôt que d'être mineur, il préfère partir en Algérie. Et là-bas, il adore l'Algérie. Il adore tout en Algérie. Il adore les pieds noirs, il adore les militaires, il adore les arabes, et il adore une jeune fille qui s'appelle Leïla, qui a 15 ans, et dont il tombe éperdument amoureux. Et alors qu'il a laissé Monique en France. Alors qu'il a laissé une fiancée qui s'appelle Monique. Il l'appelle Monica parce qu'il trouve que Monique est un peu cruche. J'espère qu'il n'y a pas de Monique ici. Et cette Monique est plutôt... Bon, donc, alors il y a les femmes dans la guerre, c'est-à-dire qu'il y a les femmes qui sont dans la guerre en Algérie, c'est-à-dire les Algériennes, et puis il y a les femmes, c'est-à-dire les mères, les sœurs, les fiancées, etc., qui sont en France et qui savent que leur homme risque sa vie en Algérie. Il y a eu 24 000 Français de 20 ans, ils avaient 20 ans, qui sont morts là-bas, c'est pas rien du tout, qui ont fait une guerre qui n'était pas une guerre pour défendre la patrie, comme on fait toujours les guerres, mais qui était une guerre qui était faite pour empêcher les Algériens d'avoir une patrie. La plupart étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et quand ils sont rentrés chez eux, on a dit « Ah bon, t'as fait une sale guerre, t'as torturé, t'as violé, tout ça. » Donc les mecs, ils disent « Bon, je vais pas en parler. » Et personne, aucun appelé qui a fait la guerre d'Algérie ne parle de la guerre d'Algérie dans les bistrots, comme le faisaient les gens de 14-18, c'était super, les tranchées, vachement bien. L'Indochine, même. L'Indochine, la guerre de 45, on était torturés par la Gestapo, oh là là, que c'était bien, tout ça. Alors que les Algériens, ils n'en parlent pas. Alors j'ai fait un peu ce livre, surtout, pour redonner un peu de l'honneur à ces 2,5 millions de jeunes Français qui sont allés là-bas, et leur dire, allez-y, racontez la guerre à vos petits-enfants, allez-y, et parlez de ça, parce que vous n'avez pas fait une sale guerre. Et d'abord, si cette guerre est une sale guerre, ça veut dire qu'il y a des guerres propres. Et moi, les guerres propres, je voudrais bien en connaître, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, je parle de tout, y compris de la torture, y compris de tout et tout, mais j'essaye de me parler avec humour. Alors, bon, c'est mon humour à moi, parce que je pense que l'humour... Cet humour tient à un style, hein, également. Pardon ? Cet humour tient à un style dans lequel vous écrivez. Oui, c'est le style cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description, on ne sait pas... Ça va à un train d'enfer, autant vous le dire. Il y a une journaliste de l'Express qui a comparé à Michel Audiard. Moi, ça me convient très bien, Michel Audiard, évidemment. Comme si, mais voilà, j'écris où j'en étais. Avec de l'humour, donc, parce que moi, je pense que dans un roman, l'humour exaspère le tragique. Et par exemple, les films italiens des années 70, c'était très drôle et en même temps, c'était sur le tragique. Et voilà pourquoi je pense. Peut-être parce qu'il y a une dimension, ça souligne la dimension absurde. Oui, c'est complètement absurde. Une guerre, c'est absurde. Jean-René, il a fait un héros. Moi, j'ai fait un anti-héros. On s'entend bien quand même. Mais les héros, j'en ai pas vu beaucoup. Des anti-héros non plus. J'ai vu que dans une guerre, qu'on la gagne ou qu'on la perde, c'est-à-dire que des victimes. Voilà. J'ai dit que ça se passait pendant la guerre d'Algérie. C'est vrai, évidemment, et vous l'avez confirmé. Néanmoins, pour être exact, ça se passe en alternance entre la période de la guerre d'Algérie et aujourd'hui. C'était important pour vous de montrer que vous regardiez cette époque depuis aujourd'hui ? Oui, je reviens, parce que c'est deux vieux cons,
c'est eux qui le disent, hein, qui sont dans un bistrot, ils se retrouvent tous les jeudis pour déjeuner. Il y a un Algérien qui a fait la guerre du côté de l'Algérie, et après il est revenu en France, il est français, il est devenu français, il boit de l'alcool, il mange du cochon, enfin, c'est un Algérien normal qui a fait la guerre normalement, donc il a 80 balais, quelque chose comme ça, et puis un Français qui a fait la guerre, ils se retrouvent donc, et ils parlent de leur guerre, comme ça, comme deux vieux cons, voilà. Alors c'est une histoire de vieux con, mais ils sont très sympathiques, ils s'échangent des recettes de cuisine, et puis ils ressassent leurs souvenirs, et puis voilà. Alors, et donc ça montre quand même que c'est le regard qu'on peut, enfin ça donne un écho, une profondeur de champ à la guerre d'Algérie, enfin la façon dont le récit de la guerre d'Algérie est fait. Je ne comprends pas bien la question. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que le fait, c'est pas juste vous qui racontez cette époque-là, c'est une sorte de va-et-vient, en tout cas pour le lecteur, entre la période de la guerre d'Algérie et la vie dans ce bistrot. Et la façon dont la voit aujourd'hui. Voilà. Donc, que pense-t-on de la guerre d'Algérie X années après? Qu'est-ce qu'il en reste? Quels clichés circulent encore? Il reste les clichés de la GIGN, voilà. C'est-à-dire que, c'est effectivement, les jeunes qui rentrent là-bas, alors t'as torturé la GIGN, on parle toujours de la GIGN, ces pauvres malheureux. Et alors, moi je sais que la torture en Algérie, je ne savais pas quand j'étais en Algérie. Je ne savais pas, j'ai appris en rentrant. On dit ça des camps de concentration, on ne savait pas qu'il y avait des camps de concentration. Bon, j'ai appris en lisant la presse, la GIGN. Mais c'était, il y avait 300 mecs peut-être en tout qui torturaient, qui étaient des militaires d'actifs du renseignement. Et bien entendu, les 2,5 millions de Français qui sont allés là-bas n'ont jamais torturé ni violé personne. Ça, c'est sûr. Et donc, je voudrais vraiment redonner l'honneur à ces gens-là et redonner aussi l'honneur aux pieds noirs, parce que les pieds noirs, en 62, après les événements d'Oran, il y a eu un massacre de pieds noirs par Ben Bella. Et donc, les pieds noirs sont rentrés en France où ils ont été très, très, très mal accueillis, vraiment. Alors que moi, je les ai adorés, ces pieds noirs, parce qu'ils étaient joyeux, ils avaient une vie magnifique, les filles étaient belles et bronzées. C'était vraiment. Il y avait la plage, il y avait la mer. Moi, je les ai adorés, ces pieds noirs. Et alors, ils se sont mal débrouillés, en fait. Ils n'ont pas compris, que l'indépendance était obligatoire, que ça devait arriver. Et ils ont été maladroits, ils ont mal aimé leur propre pays, voilà. Et les militaires qui étaient là-bas, je les ai bien aimés aussi parce que c'était pas marrant d'être crapahuté dans les épines. C'était pas du tout marrant. Et bon, bah, ils le faisaient et puis voilà. Ça paraît presque difficile à dire, mais finalement, pour vous, ces années de guerre d'Algérie, c'est un bon souvenir. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré le pays, j'ai adoré les gens. Alors, je rejoins Jean-René, une arme à feu, c'est quelque chose qui est troublant, non? Oui, Jean-René Van Der Platzel. Je dirais que le livre d'Alain est une satire très réussie de la vie militaire. Oh, René, je t'épouse. Non, mais donc, non, une satire très réussie qui montre à l'armée, on passe son temps à attendre. Et ce qu'il montre très bien, et parfois, on tombe sur des officiers un petit peu abrutis, pardon, qui vous donnent des ordres sans queue ni tête. C'est ce que montre ce roman. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle le personnage Max se réfugie dans une histoire intimiste, avec une histoire d'amour, avec Leïla, pour fuir un petit peu cette réalité décevante et ennuyeuse. En même temps, tout ça est décrit avec un esprit, je dirais, bon enfant. C'est une satire, mais une gentille satire. C'est pas. Et on sent que vous avez été passé un bon moment et que vos personnages également dans ce magnifique pays. Mais on cite le désert des Tartares dans ton livre, dans le mien. C'est parce que le désert des Tartares, c'est vraiment le grand symbole de la guerre. C'est-à-dire, oui, tout à fait, rien. Oui, l'attente. Et puis soudain, ça explose. Et puis après, on recommence à attendre l'explosion suivante. Oui, je vous avais vu réagir, Jean-René Van Der Platzel, au moment où je disais donc à Alain Jaspard que c'était un petit peu difficile à dire, mais la guerre pouvait, d'une certaine façon, être un bon souvenir. Adieu que la guerre est jolie, Apollinaire. Oui, tout à fait. Est-ce que dans l'époque que vous évoquez, et à travers le personnage que vous évoquez, il y a aussi un peu cette idée
je le dis, difficile à formuler publiquement comme ça, mais en fait qui humainement se comprend très bien. C'est-à-dire qu'on vit des choses très intenses, on vit de la fraternité, on vit de... Voilà. Donc est-ce que vous avez aussi voulu... Alors, je ne sais pas si c'est rendre hommage, mais à cette époque, à ces gens-là, à cette époque de votre vie, enfin... En fait, j'ai voulu, sur un ton différent de celui d'Alain, montrer quel est le quotidien d'un soldat. Un soldat, donc, il attend, il se prépare au combat, parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, ça finira par arriver. Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il attend ? Eh bien, il pense, il se souvient de sa femme ou des femmes qu'il a aimées, de ses parents, éventuellement de ses frères et sœurs. Et puis, les soldats entre eux discutent. Ils se racontent des histoires, parfois même, comme ils sont assez pudiques, ils se racontent parfois leur histoire. Et c'est ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer, ce quotidien, au fond très, très banal, à la différence qu'il se situe dans une période qui ne l'est pas, dans une période troublée. Et donc les carapaces tombent plus vite, la vérité apparaît plus vite. Et ce personnage, ben, on va l'appeler Belfast, est-ce que vous avez, en écrivant... Alors, vous connaissiez son histoire, mais elle vous était donnée, en fait, son histoire, a priori. Malgré tout, il faut que l'écriture apporte quelque chose. En tout cas, pour avoir envie d'écrire, il faut avoir envie de comprendre quelque chose. Est-ce que vous avez eu l'impression de mieux le comprendre, de découvrir quelque chose sur lui, grâce à ce livre ? Il est évident que j'ai mis dans le personnage de Belfast à peu près tout ce que je sais de la vie. Parce que pour moi il symbolise donc, je le disais tout à l'heure, la condition humaine, mais également le XXe siècle. Il a traversé tant d'horreurs, tant de survivre à la Seconde Guerre mondiale, voir sa famille disparaître dans un camp de concentration, partir ensuite en Indochine, faire toutes les guerres du Moyen-Orient avec l'armée israélienne. Ça vous donne un homme qui a une densité, qui a une profondeur, qui a une expérience. Rares sont les hommes qui ont vécu tout ça. Donc, oui, j'ai essayé de montrer... C'est un homme qui résume tous les autres hommes. C'est un homme qui est une addition de tous les autres hommes. Il la résume, mais en même temps, il les additionne, il les collectionne. Donc, je pense que c'est un personnage d'une grande force. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu lui donner. Et hélas, il est mort et j'aurais tant aimé le rencontrer. Voilà, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. Tout à fait, mais est-ce que votre question, est-ce que vous sauriez dire quelle est, après coup, parce que je pense qu'au début on ne le sait pas vraiment, après coup, quel était votre questionnement? Est-ce que c'était qu'est-ce que le courage ou qu'est-ce qu'une vie alors qui vaut la peine d'être vécue? Est-ce que vous sauriez dire aujourd'hui quel était votre questionnement? Est-ce que vous avez approché, mieux senti, mieux compris en écrivant ce livre et en vous intéressant au mystère de ce personnage? Bien sûr, oui, je voulais montrer que on peut, comment dire, surmonter la plus grande souffrance. Il y a l'opium dans le cas de Belfast, ça c'est pour le corps, la souffrance du corps, et puis il y a l'Ecclésiaste pour la souffrance de l'esprit. L'homme peut trouver en lui des ressources insoupçonnées. C'est le cas de Belfast, qui traverse toutes les épreuves et les pires épreuves, et qui, à chaque fois, survit, trouve en lui la force de continuer, de se raccrocher à quelque chose. Et en même temps, il est désespérément seul. Tous les êtres autour de lui disparaissent. Et voilà. Donc, c'est vraiment une parabole sur l'espoir, je pense, que j'ai voulu... rédigé avec ce roman. Alors ce titre, on le comprend évidemment, le métier de mourir, un soldat, ça aurait pu être le métier de vivre. Mais aussi. C'est le métier de vivre, parce qu'en fait nous sommes tous appelés à mourir. Donc c'est également ce que j'essaie de montrer dans ces trois jours, là, le lent cheminement du temps qui avance inexorablement, et on sait que nous allons tous vers la mort. Et la mort n'est peut-être pas quelque chose de si tragique que ça, puisque on passera tous par là. Alors, il faut juste souhaiter ne pas mourir en souffrant. Peut-être qu'une mort rapide vaut mieux qu'une mort lente de souffrance.
Voilà, donc en fait, le métier de mourir, je sais que c'est un titre qui peut faire un peu peur, mais je voulais aussi, en accord avec mon éditeur que je remercie, qui est là, Olivier Nora, montrer la dimension métaphysique de notre condition humaine. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Et c'est peut-être pas si grave. Et le titre, le métier de mourir, c'est aussi une façon de dire que, enfin, je ne sais pas si l'expression va être heureuse, mais que mourir, ça s'apprend. Bien sûr, oui. Le métier de mourir, c'est aussi le métier du soldat. Le soldat, il accepte de donner sa vie pour que d'autres hommes ou femmes puissent vivre en paix. Je trouve que c'est très noble comme attitude. Les médecins acceptent, on l'a vu au moment du Covid, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, comme on dit aujourd'hui, acceptent de prendre des risques considérables pour les autres. Donc, il y a là-dedans une générosité, une attitude que je trouve foncièrement noble, digne et courageuse. Voilà. Alors, j'ai interrogé Jean-René Van der Platzen sur le titre de son ouvrage. Vous n'y couperez pas l'un et l'autre. Gwenaëlle Robert, peut-être ce titre en anglais. Oui, il s'éclaire plutôt à la fin du roman, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la vie de Limoélan lorsqu'il arrive en Amérique. Et tout à l'heure, vous disiez, on va tous mourir et c'est peut-être pas si grave. Ce nevermind, c'est un petit peu cette expression que répétait Limoélan à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui rapportait des problèmes matériels, des problèmes extérieurs, il répondait toujours nevermind. Et sans doute que par rapport à la vie qu'il avait connue et par rapport à toutes les tribulations qu'il avait vécues en France... Ça veut dire ça ne fait rien. Enfin, ça veut dire, c'est ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, voilà, c'est ça. Et puis c'était aussi une façon de rappeler que l'essentiel finalement lui de son aventure elle n'est pas tellement liée aux circonstances extérieures ou aux événements extérieurs, mais c'est aussi et surtout une aventure intérieure et une aventure spirituelle. C'est-à-dire que toute son histoire à lui, c'est l'histoire d'une chute et ensuite c'est l'histoire d'une sorte de rédemption. Et finalement l'aventure, elle est surtout dans cette vie intérieure qui lui demande peut-être plus de courage que ce qu'il a pu avoir à affronter dans les circonstances extérieures, les circonstances historiques dans lesquelles il a vécu. Oui, parce que on l'a dit au début, il fomente un attentat, mais en fait, il va pas s'en remettre. Enfin, il va être pris de remords. Comment vit-on avec ce geste-là? Toute une vie ensuite. Oui, c'est ça, c'est son histoire, puisque tout ce qu'il va ensuite, tous les choix qu'il va faire sont liés effectivement à cette question du remords. Et puis, parallèlement à l'histoire, puisque l'histoire de Limoélan, elle sert un peu de fil directeur, mais il s'agit d'un roman qui met aussi en scène d'autres personnages. Parallèlement à cette rédemption qui est la sienne, il y a la justice de Fouché qui s'abat sur les Jacobins, dont on a pensé qu'ils étaient les auteurs de cet attentat. Enfin, en tout cas, c'était la conviction de Bonaparte, qui en fait déporter 130 aux Seychelles, puis aux Comores. Et donc dans cette question, dans ce roman, il y a aussi la question de la justice, enfin, en tout cas ce qui est appelé justice par Fouché, et du pardon et de la miséricorde, qui est la voie de Limoélan. Oui, et comment vivre avec le fait qu'on a échappé soi-même aux conséquences de l'acte qu'on a commis, enfin qu'on a prévu et puis qu'on a réalisé, mais que soit on y a échappé, mais d'autres ont payé pour nous. Oui, c'est ça, puisque finalement, lorsque les véritables auteurs sont découverts, les 130 jacobins que Fouché fait déporter sur ordre de Bonaparte, qui ne sont pas encore déportés, ils sont encore à Nantes, sont tout de même envoyés en exil, où leur mort est quasiment certaine, puisque les Seychelles, c'était une terre aride, et beaucoup meurent d'ailleurs pendant la traversée. Donc il y a effectivement, au-delà de l'histoire singulière de Limoélan, il y a tous ceux qui sont entraînés et tous les anonymes aussi qui sont entraînés dans le flux de l'histoire et dont les vies personnelles entrent tout à coup en collision avec le tragique des événements. Et autour de la figure de Limoélan, c'était aussi tous ces personnages que je voulais mettre en scène. Alors Alain Jaspard, ce titre...
qui intrigue au début quand on n'a pas lu le livre. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer sans forcément tout dévoiler Non, je peux même le dévoiler parce que c'est une phrase qui est dans le livre. Alors, on pourrait faire un quiz ici, demander aux gens... alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? À quoi ça vous fait penser? Alors, c'est les bleus, c'est les jeunes soldats. Et pourquoi sont-ils verts? Alors, il y a deux choix. Soit parce qu'ils ont peur, ils sont verts de peur. Soit, alors c'est la vraie raison, c'est parce qu'ils sont dans un bateau qui les emmène en Algérie, qui a une espèce de tempête, qui sont à fond de cale, qu'on leur donne à manger du chou et des saucisses dégueulasses, et qui se mettent à vomir, et le bateau tangue, et le vomi passe d'un endroit à l'autre, puis le vomi revient. Et voilà l'armée française qui débarque. Alors, c'était pas très glorieux. Et voilà pourquoi ça s'appelle les bleus et les verts. Je dirais même qu'il y a un autre aspect symbolique dans le titre. Les bleus, c'est aussi le nom des chasseurs alpins. Oui, c'est le nom des chasseurs alpins, anciens combattants. Voilà. Et voilà. Je voudrais dire aussi sur le livre de Gonel Robert, puisque j'ai commenté un petit peu celui d'Alain, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est construit un peu comme ce que fait Camille Pascal, vous avez peut-être lu. Soit l'été des quatre rois ou la chambre des dupes, elle se glisse dans les interstices historiques et trouve des personnages et les fait vivre. Alors, il y a peut-être une plus grande part d'imagination dans ce que fait Gonel que ce que fait Camille Pascal, mais je pense que c'est une voie pour renouveler le roman qu'il faut continuer à explorer, prendre des personnages ayant réellement existé et se mettre à leur place. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. On peut peut-être entamer, si vous êtes d'accord, un dialogue avec le public. Certains ont peut-être déjà lu les livres, mais même si vous n'avez pas lu, bien sûr, vous pouvez avoir envie de réagir aux propos qui ont été tenus. Alors, ma question est-ce qu'on fait passer un micro? Oui, donc vous faites passer un micro? Oui, donc voilà. J'ai vu une main qui se levait au fond, puis après, madame devant. Oui, vous parliez de la, pardon, de la guerre dans le sens le métier de mourir. Je trouve qu'on pourrait éviter la guerre, comme disait Camus, et plutôt le métier de la, comment on peut dire ça. C'est pas le métier. Moi, je préfère la volonté de la d'une fraternité plutôt que la volonté de mourir. Camus, par exemple, en Algérie, au lieu de qu'il y ait des conflits entre des gens qui étaient sur le des gens qui habitaient l'Algérie de souche et les Français, est-ce qu'il ne valait pas mieux qu'il y ait une entente entre eux, que chacun soit qu'il soit autant considéré qu'on soit Français ou Algérien, plutôt que d'éviter les massacres qu'il y a eu. C'est-à-dire, comme disait Camus. Quoi. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais les personnages que décrit Alain Jaspard, que décrit Gonel ou que je décris, sont plongés dans la guerre contre leur gré. Ils ne la font pas de leur propre intention. Il y a des pouvoirs politiques qui mènent les hommes à la guerre. Mais il se trouve que ces hommes ou ces femmes sont plongés dans ces remous incroyables et que ça révèle des choses atroces, évidemment. Et puis ça révèle aussi parfois des comportements nobles de la part des êtres humains. Et puis, je crois que c'est très très facile de déclarer la guerre. Déclarer la guerre, on envoie la dépêche d'Ems, on envoie un petit mot à Hitler en lui disant « c'est pas bien d'avoir envahi la Pologne, je te rentre dedans ». En revanche, déclarer la paix, c'est très 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 compliqué. Et ça a été en Algérie très compliqué de faire la paix. Il ne faut pas oublier que Camus, quand il a eu le prix Nobel de littérature, a fait le plus beau des discours, il a failli être assassiné. C'est-à-dire, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on a tendance à aimer des gens, plus des dictateurs que des gens qui font la guerre. On a assassiné Jean Jaurès, Camus a failli être assassiné après le discours qu'il a eu pour le prix Nobel. On a l'impression que les gens préfèrent presque avoir une sorte d'ordre par un régime totalitaire et d'avoir peur du vertige de l'esprit des Lumières plutôt que à être envoûté par le côté ordre totalitaire. Voilà ce que je veux dire. Moi, je préfère l'universalisme des Lumières que la barbarie à visage humain. Voilà, tout simplement. Ouais, on est tous d'accord pour Camus, en tout cas, ça c'est sûr. On était d'accord pour Camus, vous êtes d'accord pour Camus. Évidemment. On est d'accord. Oui.
Alors, devant madame, oui, on va vous passer le micro en le nettoyant. Merci beaucoup. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les trois ouvrages, c'est finalement le parallèle qui est fait entre les bouleversements historiques et sociaux, donc de toute une société, ces basculements, et puis pour chaque personnage, chaque héros, en fait, ils arrivent aussi à un point de rupture. Et d'ailleurs, le personnage de Joseph de Limoléon me faisait un petit peu penser à Lorenzo da Ponte, qui est quasiment un contemporain. Et ce point de rupture, finalement, les amène aux frontières de la mort, et donc à vivre un certain nombre de choses et à penser à la reconstruction. À partir du moment où on ne s'effondre pas, on pense peut-être à la reconstruction. Donc je voulais demander à chacun des auteurs si il est vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, à quel prix, et est-ce que ça peut se transmettre. J'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien entendu. Est-ce que... Oui, mais je crois que je ne peux pas l'enlever, donc je vais essayer de mieux articuler. Est-ce qu'il est vrai que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort? À quel prix? Et est-ce que ça peut se transmettre ou est-ce que ça reste une aventure intérieure? Alors, on passe de Camus à Nietzsche, puisque c'est une phrase de Nietzsche, donc ça vole très très haut. Bravo. Oui, je pense que la phrase de Nietzsche est juste. Que veut-il dire en disant les épreuves qui ne nous tuent pas nous grandissent, nous rendent plus forts? Ça résonne, je pense, en chacun d'entre nous. Si on parvient à traverser une terrible épreuve, on en est enrichi, on en est renforcé. Pour reparler un peu comme Camus, on a une conscience plus grande. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu ce qui se passe dans ces trois livres. Et c'est le digne destin des êtres humains que de se grandir, notamment à travers les épreuves, me semble-t-il. Surtout pour ton livre. Ton livre est finalement Nietzsche. Hein, ouais. Oui. Parce qu'il traverse beaucoup d'épreuves et qu'il devient très fort. C'est exactement ça, quand même. Non ? Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'il a trouvé dans les pires épreuves, parce que, voilà, cette force intérieure, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on cherche tous, à trouver. Nous avons tous une force intérieure en nous, et l'épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un être cher, nous permet parfois, lorsqu'on s'accroche, de trouver cette force. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Il y a la question de force, et puis aussi, enfin en tout cas dans le cas du personnage de Limoélan, il y a aussi une question de paix qui se trouve au terme de l'épreuve. C'est quelqu'un qui vit dans la vengeance, dans la question de la revanche, et qui accède au terme de ses épreuves à une paix plus grande et qui lui permet aussi d'avoir une vie qui ensuite va être tournée vers les autres. C'est quelqu'un qui a laissé un souvenir de très grand dévouement, de très grande bonté. Et je pense que peut-être au-delà de la notion de force, c'est aussi ces épreuves, elles permettent aussi une ouverture aux autres, alors qu'il était auparavant entièrement centré sur lui-même. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension-là chez les personnages. Mais pour revenir en Algérie, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés fracassés et qui ont très très mal fini leur vie, parce qu'ils ont vu quand même des trucs qui n'étaient pas terribles. Et dans le livre, je raconte l'histoire d'un soldat qui revient alcoolique et qui meurt toute sa vie, quoi. Donc ça rend pas forcément plus fort, quoi. Oui, toutes les épreuves ne sont pas bonnes, voilà. Oui, certaines épreuves nous brisent et nous abattent. Exactement, voilà, voilà. C'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui nous tuent quand même. Voilà, exactement. D'autres questions, réactions? Oui. Bonjour, je dirais après Nietzsche, Camus, Chateaubriand, vous avez été plusieurs à citer cette phrase qui est magnifique, effectivement, qui évoque l'image d'un homme qui nage entre deux rives. Je dirais, vous qui vous êtes, madame, déjà, et peut-être une question pour tous,
qui vous êtes tant impliqué, vous qui avez tant imaginé sur cette période de basculement à la fin du 18e pour la France comme pour les États-Unis d'ailleurs, est-ce que vous ressentez des résonances avec la période que nous vivons actuellement où nous avançons masqués et cette période que l'on peut qualifier de période extrêmement troublée? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent comme cela ou des choses qui vous touchent à partir des temps que vous avez, sur lesquels vous vous êtes tant projeté? Oui, tout à l'heure, je parlais du caractère romanesque des périodes troubles. Effectivement, je pense que toute période troublée de l'histoire fait écho à d'autres périodes troublées. Peut-être à la différence qu'il y a une forme d'instabilité politique dans à l'époque de Nevermind, c'est-à-dire en 1800, on est vraiment, c'est vrai pour l'ensemble du 19e siècle, où les régimes politiques se succèdent, comme si on essayait plusieurs régimes politiques, donc c'est vraiment quelque chose qui est paroxystique en 1800, mais qu'on peut vivre de façon peut-être un peu atténuée, ou en tout cas sous un angle différent, et dont on trouve des échos, effectivement, ultérieurement et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore une question ou une réaction? Oui. Par rapport aux événements qu'il y a eu d'attentats à Charlie Hebdo, comment vous pouvez expliquer que des gens aiment le fait de mourir pour eux? C'est presque quelque chose qui est une apothéose dans l'établissement politique ou la médiatique. Les gens de Charlie Hebdo, c'était moyen. Moi, j'ai l'impression, enfin, je n'ai pas l'impression, j'adore l'esprit satirique de Charlie Hebdo, ça a toujours été comme moyen. Je veux bien répondre parce que c'est un des sujets qui est abordé dans mon oui. roman. Alors, en revanche, je suis désolée, je sais que la question est complexe, mais il faudra que la réponse soit pas trop longue. D'accord. Parce qu'on ne peut pas D'accord. déborder. Entendu. Donc, c'est un des sujets qui est abordé dans mon roman. Ce Belfast, qui combat à la frontière israélo-libanaise, il se bat précisément contre l'islamisme intégriste. Le Hezbollah découvre à ce moment-là un mode opératoire qu'il veut exporter un peu partout dans le monde, et ce Belfast et ses hommes qui sont sous ses ordres se battent précisément contre ça pour permettre, comme vous le dites très bien, aux Molières d'aujourd'hui de pouvoir continuer à rire de tout, parce que peut-être il vaut mieux rire des choses que d'en pleurer. Voilà. Alors, je doute qu'on puisse l'expliquer en si peu de temps. Sinon, effectivement, je crois, bon, voilà, que le cours du monde serait plus simple si on pouvait expliquer cela visiblement. Je vous remercie néanmoins de ce questionnement qui nous habite, hein, de toute façon, je pense tous, et qui habite les auteurs que nous avons reçus aujourd'hui. Je rappelle les titres de leurs livres. Donc, Alain Jaspard, Les Bleus étaient verts, aux éditions Héloïse d'Ormesson, Gwenaëlle Robert, Nevermind aux éditions Robert Laffont, et Jean-René Van Der Platsen, Le Métier de Mourir aux éditions Grasset. Et on vous retrouve immédiatement en dédicace à la sortie de cette salle, je crois que c'est en bas, voilà, mais donc immédiatement à la sortie de cette rencontre. Merci à vous. Merci et bravo pour vous.